Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous un mouvement que j'aime beaucoup enseigner à mes étudiants, qui s'appelle le U-turn. Alors le voici. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1. Alors, ce que j'aime beaucoup de ce mouvement-là, qui est bien sûr short and sweet, c'est le changement de direction au départ. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma main allo-allo gauche en haut et j'initie un petit tour, à peu près un quart de tour. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu qu'on fasse un basic step droit et que ma partenaire recule sa jambe droite, ce que je fais, c'est que je pousse dans une motion de tournerie. Mesdames et messieurs, oui, c'est un mot, tournerie. Oui, waouh, hein? OK, donc, et 1, 2, et là, je tourne vers l'intérieur. Donc, j'amène mes mains ici, et 3, elle est dos à moi. Moi, je suis en ouverture pour le crossbody lead. Pendant la pause, je prends ma main droite qui est ici, je pousse à l'intérieur. 5, elle fait le crossbody lead. Sur 6, elle ferme la porte et je revire de l'autre situation. Ici, je fais mon extension et je fais mon in and out. Yes, sir. On le fait encore une fois, un petit peu plus vite. Ça fait 1, 2, intérieur. On pousse sur l'épaule, revient les deux mains ensemble, extension, et 5, 6, 7. Short and sweet, but I love it.